orange. Chocolat. Orangette au chocolat. Vous allez voir, c'est une chose de très très simple. C'est juste un chocolat tempéré dans lequel on va tremper les petites oranges confites. Mm-hmm. C'est trop simple et ça coûte très cher dans le commerce alors que c'est si simple à faire soi-même. On commence par... faire fondre le chocolat. Bien évidemment, vous pouvez le faire fondre au bain-marie en prenant soin que le bol soit jamais en contact en direct avec l'eau, sinon votre chocolat il va trop chauffer, il sera fichu. Mm-hmm. Au micro-ondes, on va y aller doucement, on va faire la puissance modérée. Mm-hmm. On va remuer de temps en temps pour avoir un chocolat bien lisse et bien brillant et pas trop chauffé. Mon bol est chaud, ouais, mais mon chocolat est partiellement fondu. D'accord. Donc, j'attends pas que tout soit fondu, mm-hmm, parce que sinon je risque de trop chauffer. Et l'inertie de la chaleur va me suffire à faire fondre mes petits carrés de chocolat. Surtout, on ne met pas d'eau, on ne met pas de lait, hein. C'est que du chocolat, hein. C'est ce qui est très important. Le chocolat, il a deux ennemis. Il a l'eau et trop de chaleur. Okay. À partir de là, ça roule. Il est bien brillant. Mm-hmm. Alors, on peut le faire un tout petit peu refroidir, là. Mais après, ça fiche vite, hein. Donc, ouais, on va travailler comme ça, ok? Ok. Première méthode, on trempe à moitié. C'est une super méthode parce qu'on ne s'en met pas plein les doigts. Tout à fait, ce qui est fort agréable. C'est quand même très agréable. Mm-hmm. Alors, les oranges confites, soit tu les achètes dans le commerce, soit tu peux les faire. Pour les faire, on va les blanchir 2-3 fois et on va les cuire dans un sirop avec du sucre. Donc ça, c'est la deuxième méthode qui est plus une méthode de chocolatier. Mm-hmm. On la trempe en intégralité dans le chocolat. Voilà, tu l'enrobes bien. Voilà, bien enrobé. On la sort ici, on tapote un petit peu pour enlever l'excédent de chocolat. On va la poser ici et voilà. Là maintenant, on va appliquer un tout petit peu la température ambiante et le chocolat va figer. Et on va voir ce côté croustillant chocolat, ce côté croquant du chocolat, avec le côté hyper moelleux de l'orange confite à l'intérieur. Ça reste un des grands classiques de la chocolaterie et c'est vraiment une de mes milliardises préférées, moi, au moment des fêtes de Noël. Allez hop!